Et donc salut les amis, c'est Maxinas, on se retrouve maintenant pour une nouvelle vidéo, une petite ouverture de caisse à couronne Ouroboros. Je vous avais pu voir justement dans les autres vidéos que je les avais totalement ratées, je n'ai pas eu une seule monture des caisses Ouroboros. Et cette fois j'en ai eu 17, j'ai pu avoir non seulement les 5 de la QuakeCon, mais j'ai aussi eu les 5 d'une rediffusion qu'il y a eu sur la chaîne allemande. Il y en aura d'autres encore, ainsi que les live Twitch. Encore une fois, on remercie Desastre, on remercie Crane, on remercie le Bob Lennon. C'est grâce à eux si on chope ces caisses aussi. Les autres caisses, là comme vous pouvez le voir, cryptopsychique, bah je la garde. Hein, jusqu'au dernier moment où on pourra en looter avec cette saison. Et caisse Dwemer, là il me reste un jour avant de choper la 10ème, je vous le ferai, ça sera la prochaine vidéo d'ouverture. Normalement. Donc c'est parti, 17 caisses à couronne Ouroboros. Ah, ça commence bien. Une récompense bonus. Alors voilà, ça je m'en souviens, voilà, ça y est, il ne montre pas les couleurs, donc moi je révèle tout. Et voilà, toujours pas. Je sens que ça va me faire comme la dernière fois, je vais pas en avoir une seule. Bon, enfin, après tout c'est gratuit, on peut pas vraiment s'en plaindre, mais bon voilà quoi. Choisissez vos récompenses. Bah, ça c'est stressant en fait, on sait pas si on a gagné ou pas, parce que là ça se trouve, là j'ai gagné tout le gros lot, mais non, même pas, ça se trouve, non, c'est juste des potions. Voilà. Notre tour, mon ami. C'est vraiment rageant. C'est rageant. Alors. Putain, on va y arriver. Hein. On va choper la monture. Vos récompenses sont prêtes. Putain, j'aimerais bien la monture et le familier. Au moins un des deux, quoi, sur les 17 caisses. Putain, mais ça veut pas, hein. Ah, il y a eu un ping. Ah, c'est parce que c'était un verre, d'accord. Ça pourrait être votre jour de chance. Je vois que vous êtes prêt à jouer. Excellent. Non, là c'est que des blancs. Il n'y a pas eu de ding, donc c'est que des blancs. Ah, là il y a eu une couleur. Encore une verte avec un pauvre parchemin. Une vertu, mon ami. Ah, encore une couleur, c'est un vert, je crois. Ouais, voilà. Essayons. Cœur de Mara, une récompense bonus. Oh, il y a une couleur sur celle-ci, elle est violette. Et merde. Mais putain, mais... Oh, c'est rageant, putain. Mais après, je crois qu'il n'y a pas d'autre truc en violet, je crois qu'il n'y a que des parchemins. Je crois que c'est en or, voilà, un truc épique. Bon, les montures et le familier, la monture et le familier. Putain. Et je vais jamais la voir, hein. Faites un choix pour révéler. Mais votre c'est pas vrai. Mais file-moi cette monture. Vos récompenses sont prêtes. Putain. Oh, je vais péter un plomb. Vabagat, une récompense bonus. Ah, j'ai bien aimé la couleur. Non, j'en fous de la couleur, c'est de la merde. Une verte en cinquième. Non, mais je rêve. C'est criminel. Êtes-vous prêt à révéler vos récompenses? Putain, 17 caisses. Je crois que j'en ai ouvert combien déjà? J'en ai ouvert, allez, je sais plus combien j'en ai ouvert. Je sais plus du tout. Salutations. Extraction de gemmes. Alors, ce qui est bien, c'est que ça nous fait quand même déjà ma couronne. On va dire que c'est déjà ça. Alors, regardez, j'étais à 729. Là, j'ai pratiquement chopé une centaine de gemmes à couronne. Et encore, je me retire pas les pires caméléons, ça c'est le seul truc que je garde. Alors, vous avez vu, 216 gemmes à couronne, c'est la moitié d'une grosse monture. Oh putain, oh c'est trop joli. Oh, 800 piles. 800 gemmes à couronne, tout pile, génial, magnifique. Ok, donc ça fait 800 gemmes, pas une seule monture, ni le familier dans les caisses. Je sais pas comment les gens ont fait, ils devaient avoir une chance de cocu. Donc, voilà, ça sera tout pour cette vidéo, les amis. J'espère que ça vous a plu. C'est cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, c'est qu'un petit j'aime, ça me fait extrêmement plaisir. Si vous voulez des caisses Ouroboros, il suffit de lier votre compte Twitch avec votre compte Tezo. Et du coup, en regardant les live Twitch, quand les drops sont activés, généralement les streamers le savent, ou alors c'est marqué juste en dessous de l'aspect vidéo. Vous pouvez tout simplement, il y a une chance de looter les caisses, vous les aurez pas obligatoirement. Sauf certains lives, comme justement ceux de Bethesda, ils l'annoncent sur Twitter, etc. Donc voilà, et d'ailleurs, attendez, avant de vous quitter, je peux vous montrer un truc, c'est le familier qu'on a pu looter pour la QuakeCon. Il est là, le loup de meute à ton lac de foudre. Alors contrairement aux autres familiers qu'il y avait pour la dernière QuakeCon et le 3, là il s'agit par contre d'un familier unique. Il n'est disponible uniquement que en regardant le live.
Contrairement au loup blanc, je crois que c'était. Ouais, je crois que c'était le loup blanc pour le 3. Et je sais plus ce que c'était, il y avait une autre monture, mais je crois qu'elle était aussi dispo. Bon, enfin, donc voilà les petits amis, j'espère que cette petite vidéo, encore une fois, vous a plu. Si c'est cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, c'est qu'un petit j'aime, ça m'a fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour voir toutes les prochaines vidéos. Allez, ciao, petit.